c'est son excellence. Yann Gott, encore et toujours. Prince Gauthier, si tu veux t'ambiancer, s'il te plaît, viens sur la piste. Okay. Fais-moi plaisir, tape ça. Ma, c'est pas des lol. Si tu veux t'ambiancer, s'il te plaît, viens sur la piste. Okay. Fais-moi plaisir, tape ça. Ma, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Yo, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Yo, c'est pas. Rap City interview. Rap City. Interview. Ok, donc merci d'être branché sur Rap City et sur DRTV International. On est très heureux de vous retrouver comme tous les samedis. Je vous ai parlé de cet artiste depuis le début de cette émission. L'artiste s'appelle Prince Gauthier, un artiste bourré de talent qui arrive à réunir le chant et la danse. Aujourd'hui, en exclusivité, vous aurez son nouveau clip. Prince Gauthier, il est là en exclusivité. Prince Gauthier. Non, ça va, hein? Ça va, cool. Ouais. Et toi, ça va très bien? Moi, la forme, tranquille. Tout se passe bien, c'est cool. Et les vacances? Parce qu'en ce moment, c'est les vacances, il fait beau. Comment ça se passe de ton côté? Disons que je profite du soleil. Moi, c'est pas les vacances. Hein. Je bosse la musique tout le temps, tous les jours. Ouais. Donc voilà quoi. Ok, t'es en train de taffer à tout moment. Taffer à tout moment, malgré le soleil. Ouais. Y a pas de souci. Donc, on va parler un peu parce que récemment, t'étais au Congo Brazzaville, chez toi, la terre de tes ancêtres. Comment s'est passé le voyage? Prince Gauthier, t'es allé pour voir la famille ou t'es allé pour taffer avec d'autres artistes au Congo Brazzaville chez toi? D'abord pour taffer avec d'autres artistes, notamment Rodney, Jamal Cité Yokohama, Mister Lova Lova, hein, Kasuma Lessa. Hein, on a participé à la répétition lors du concours contre Werrason hein, avec Rodney. On les a soutenus. Ouais. Donc voilà quoi. Okay. Et aussi pour voir un peu la famille. Bon, coucou la famille. Il n'y a pas de souci. Et donc, tu es allé pour peaufiner ton prochain projet. Et donc, ça fait quoi? Tu as enregistré des batteries, tu as enregistré des voix, tu as enregistré des animations. Qu'est-ce que tu as fait en studio là-bas? Parce qu'on m'a dit que tu étais en collaboration avec les frangins d'Extra Musique, avec les frangins de Patrol des Stars. Est-ce que comme ça, tu as enregistré des batteries, tu as enregistré des morceaux? Qu'est-ce que tu as réalisé spécifiquement là-bas, Prince Gauthier? Alors, j'ai eu un drum venant du grand drummer Ramatoulaye. Ouais, que j'ai salué en passant. Voilà, et le studio Chopal, hein, chez Chopal aussi. Ouais, Chopal State. Big up à toi. Ouais. Hein, et big up à musicien de Patrouille des Stars. Quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Et donc, ça te fait quoi tout le temps quand tu repars chez toi au Congo Brazzaville? Qu'est-ce que ça te fait quand tu arrives à l'aéroport de Maya Maya, la terre de tes ancêtres? Qu'est-ce que ça te fait en tant qu'enfant du Congo, Prince Gauthier? Franchement, c'est un réel plaisir. Ouais. Un réel plaisir d'embrasser la terre de là d'où je viens. Quoi. Ouais, 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 ouais. Hein, les racines, tout ça. Donc, c'est monté en moi. Ouais. Ça m'a donné les inspirations. Ouais. Et j'ai fait du bon boulot. Okay. Donc voilà. Il n'y a pas de souci. Toi, parce que chez toi, la spécialité, tu chantes maintenant, tu chantes très bien maintenant. Mais c'est la danse, la base de tout. Est-ce que Prince Gauthier a ramené comme ça de Brazzaville quelques pas de danse, quelques chorégraphies? T'as ramené quelques pas de danse? Ouais, chorégraphie, pas de danse, notamment la danse à Calébor Dance. Donc, comme on dit au pays, beaucoup sentir. Beaucoup sentir, il n'y a pas de souci. On va parler de ton nouveau projet dans quelques instants. Chocolat Youpi, un clip que tu as tourné la semaine dernière, qu'on aura donc aujourd'hui en exclusivité. Donc, parle-nous un peu déjà, avec plus de détails, de Chocolat Youpi. Pourquoi le choix de ce titre, Chocolat Youpi? Simplement parce qu'à Brazza là-bas, j'aimais manger le chocolat Youpi justement. Ouais. Il y a une marque de chocolat qu'on appelle Chocolat Youpi. Ouais. Et j'ai décidé de faire de ça un titre en mode générique, coupé, décalé, tout ça quoi. Ok. Et donc l'inspiration est arrivée ici à Paname ou sur place à Brazza? De Chocolat Youpi. À Brazza même, à Brazza. À Brazza. Parce que là-bas, c'est la terre de la musique, toutes les inspirations. Donc. Ouais. Beaucoup sentir encore une fois quoi. Il n'y a pas de souci, le clip, on va le suivre tout à l'heure dans quelques instants. Et donc Prince Gauthier, depuis que tu as commencé ta carrière musicale, depuis que tu es lancé dans le chant déjà, est-ce que comme ça il y a un album en vue? Est-ce qu'il y a un single à vue pour cette année 2012? Parce que là c'est l'été, c'est les vacances. Est-ce qu'il y a un single, un album en vue d'ici la rentrée scolaire ou pendant ces vacances 2012? Plutôt la rentrée scolaire avec un maxi single avec en featuring Nicky B, M.A.S.S. Ouais. Et beaucoup d'autres artistes, donc voilà quoi. Maxi single et par la suite ensuite l'album quoi. Donc l'album pourra sortir la fin de cette année, l'année 2013? Décembre 2012. Ok, donc à part Nicky B que t'as eu à nous citer tout à l'heure, et Mas, est-ce qu'il y aura d'autres collaborations avec d'autres artistes dans ton album Prince Gauthier?
Oui, bien sûr, mais surprise. Ce sont les surprises. Ouais, surprise. Il n'y a pas de souci. Donc, Presse Côté, c'est notre invité en exclusivité. Gros clin d'œil à l'instant à Mamadou Gueye, le docteur Lassap. Excellent week-end au partenaire de cette émission, le Jeff Dancing Club. Et donc, Presse Côté, comment tu arrives à réunir comme ça le chant et la danse? Comment ça se passe? C'est facile ou vraiment tu as beaucoup d'épreuves à passer? Réunir le chant et la danse, comment ça se passe? Tout simplement l'amour de la musique. Ouais. J'ai commencé par la danse et puis une chose en enchaîne une autre. Ouais, tu as commencé en quelle année précisément la danse? Ouh, ça date. 2000, 99, 97 ? Non, dans les années 95. 95 ? Ouais. Et d'ailleurs, mes mentors étaient justement Extra Musica. Ouais. C'est de par eux où j'ai commencé à suivre. Puis ensuite, je suis parti chez les Wera, les... Bon, ouais. Big up à tout le monde, quoi. Ouais, okay. Donc, ouais. Tu as fait un peu le tour de la scène musicale africaine. Exactement. À m'inspirer de leur manière de danser. Ouais. Et puis, j'ai créé mon propre style, en fait. Ouais. Mais pourquoi tu t'es pas lancé dans le rap? Tu t'es dit, bon, comme tu es déjà fashion, tu es clean, tu es frais. Pourquoi tu t'es pas lancé dans le rap ou dans le R&B comme d'autres artistes? Tu as choisi juste le coupé décalé ou le Ndomolo, la musique de chez toi? Ouais, je faisais du rap aussi. Oh, tu étais rappeur? Ouais, j'étais rappeur aussi. En fait, j'étais sur les deux, tu vois. Bon, à un moment, il a fallu choisir. Ouais. Et j'ai décidé d'allier le style. Ouais. Pour le côté hip-hop, ouais. Et la musique pour le côté pays, quoi. Okay. Tout simplement. Et donc t'es tombé amoureux de la musique afro, quoi. Ouais, ça m'a plus touché. Ok, ouais. Ok, pas de soucis. On va suivre l'un de tes clips qui a bien marché ici à Paris dans les nightclubs, sur internet, c'est pas des lol. Et donc c'est un clip comme ça, samedi, relax, sur DRTV, que tu dédies précisément à qui, Prince Gaultier? Ouais, tout d'abord à ma femme, ouais. Landrine Lofoka, big bisous à toi. Ouais, gros clin d'œil. Hein. Voilà. Ouais. Et tous mes frères du Congo Brazza, ouais. De toute l'Afrique, ouais. Hein, Christian Kamunga qui se trouve à Abidjan, ouais. Rodney Moketonga, ouais. Rod Charismatique, ouais. Hein, Ides à Brazza, ouais. Jamal Cité Yokohama. Bon, je vais pas citer tout le monde parce que ça va être long. Ouais. Donc, big up à tout le monde, quoi. Ok, donc Prince Gaultier, c'est notre invité. Suivez son clip pour ceux qui l'ont jamais suivi en exclusivité, donc en 2012 sur Rap City. Le titre, c'est pas des lol, un gros clip et c'est pour toutes les ladies qui le suivent en ce moment. Prince Gaultier, c'est maintenant en clip et à tout à l'heure. Angèle, ange blanc, tous les cas, des tout des babas. Prince Gaultier, des tout des babas dans la place, c'est pas des lol. De bon qu'on s'en la la tête et faire de sang, c'est pas des lol. Lol. Si tu veux tester, on te dit t'as qu'à essayer. Si tu veux pas la vraie, continue, tu vas fatiguer. On est blindé, on est filé, on sait danser. Ndombolo, pour toutes les filles, je suis chocolat chaud. Yeah. Retenez mon Ketonga. Voilà, si tu veux t'ambiancer, yeah. S'il te plaît, viens sur la piste. Okay. Fais-moi plaisir, tape ça. C'est pas des lol. Si tu veux t'ambiancer, s'il te plaît, viens sur la piste. Okay. Fais-moi plaisir, tape ça. Ma, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Yo, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Yo, c'est pas. Ça, c'est le retour de Prince Gaultier, son excellence. Voici l'homme. Et sois ma colo, Okay, donc Rap City continue sur DRTV International. On suivait à l'instant, c'est pas des lol avec Prince Gaultier qui est notre invité aujourd'hui en exclusivité. Félicitations à Prince Gaultier. Ouais, merci à toi Chepi. Et donc le clip c'est pas des lol était réalisé par les mêmes réalisateurs qui ont réalisé Chocolat Youpi ou c'est d'autres réalisateurs? Un des réalisateurs, Aros Gellor Longo, que je salue. Ouais. Donc voilà, c'est lui qui a réalisé c'est pas des lol. Mmh. Mais c'était en 2010 hein, quand ouais. Même. Ouais, donc quel est le message que tu passes dans C'est pas des lol? T'as voulu lui dire quoi dans C'est pas des lol? Je sais que ça, c'est un mot ou un petit gimmick que beaucoup de gens utilisent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'as voulu dire par là? Non, que la musique c'est pas des blagues quoi. Ouais, et ouais. Que moi-même c'est pas des blagues aussi. Ouais, ouais. Donc voilà, j'ai voulu faire un truc un peu Frenchy, Afro, Ndombolo, hein, ouais. Hein, pour que ça passe un peu partout. Ouais. Que mes frères se retrouvent et que les Français aussi se retrouvent. Ok, voilà. Pas de soucis. Donc on revient sur Chocolat Youpi. Est-ce que comme ça, pour ceux qui nous suivent à Brazzaville, dans le continent africain, sur place ici à Paris, est-ce qu'ils pourront avoir le single ou avoir la chanson Chocolat Youpi dans leur téléphone ou sur leur portable? Comment ils peuvent faire pour avoir Chocolat Youpi Prince Gaultier? C'est très simple, ils peuvent l'avoir sur SoundCloud, on l'écrit S-O-U-N-D, C-L-O-U-D, SoundCloud, sur mon MySpace Prince Gaultier, mon Skyblog Prince Gaultier, ouais. Mon Facebook aussi Prince Gaultier, ouais. Il est en téléchargement gratuit. Mmh.
Donc ceux qui sont intéressés, ceux qui aiment, ceux qui kiffent comme on dit, ouais, allez télécharger Chocolat Yuppie. Ok, et donc on va parler un peu de tes rêves, Prince Gauthier, en tant qu'artiste, tu danses très bien, tu chantes. Et donc quels sont tes rêves les plus fous musicalement? Quels sont tes rêves les plus fous musicalement, Prince Gauthier? Donc quand tu te dors, tu te dis bon, il faudra que je le fasse dans ma musique ou dans ma carrière. Personnellement, c'est évolué de jour en jour, ouais, que ce soit dans la danse, dans le chant, ouais, dans les instruments, ouais, dans tout quoi. C'est l'évolution. Moi, c'est ça mon kiff, c'est la musique. Ouais. C'est simplement d'évoluer dans la musique. Okay. D'évoluer dans la musique. Et s'il y a des collaborations que tu souhaiterais faire dans le futur, tu aimerais bien collaborer avec quel artiste ou quel danseur? Parce qu'à la base, c'est la danse chez toi. Tu aimerais bien collaborer avec quel artiste, que ce soit du côté africain, du côté de Paname, du côté des States? Tu aimerais bien collaborer avec quel artiste, Prince Gauthier? Alors, côté français, c'est Mika. Mika, ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais. En Afrique, ouais. Roga Roga. Ouais. Petit pays, ouais. Aux États-Unis, ouais. Vraiment, on va viser très haut, très loin, ouais, ouais. Très très haut, ouais. Monsieur Didi, Puff Daddy. Puff Daddy. Yeah, ouais, ouais. Mais ça va venir. Hein. Ok. Ouais. Et donc, est-ce que comme ça, t'as des bons rapports avec tes frangins comme les Jesse Matador, la Célessao? Est-ce que vous avez des très bonnes collaborations? Oui, très bien, très très bien. On a commencé la musique ensemble, enfin, on s'est croisés dans la musique, ouais. On a travaillé un long moment, ouais. Puis chacun a pris son chemin. Ouais. Donc ouais, on a toujours des bonnes relations quoi, ouais. Toujours des très bonnes relations. Et donc Prince Gauthier, comme ça, avec tout ce qu'on a l'habitude d'écouter à longueur de journée ici à Paris, en Afrique, qu'est-ce que Prince Gauthier apporte de plus dans la musique afro? Qu'est-ce que t'apportes de plus, Prince Gauthier? Moi, pour moi, je dirais c'est le côté souche, le côté authentique. Ouais. C'est ce que je cherche vraiment à mettre en avant dans ma musique. Mmh. Voilà, je cherche pas trop à être trop puritain français. Hein, sans pour autant dénigrer ce côté-là, ouais. Je cherche vraiment à mener le côté mboka, comme on dit, ouais, du pays, quoi, du Congo, la base Ndombolo en fait. Voilà. Ok, et donc on va suivre Chocolat Yuppie dans quelques instants. Ça t'a pris combien de temps pour réaliser le clip? Deux semaines. Les chorégraphies aussi t'ont pris deux semaines pour les répétitions? Un mois pour répéter toutes les chorégraphies qu'on va voir dans le clip? Non, chorégraphie c'est assez rapide, on a l'habitude. Ouais, c'est, hein, le quotidien. Ouais. Ouais, c'est le quotidien, mais c'est juste les prises en fait. On a tourné les premières scènes. Ouais. En live. Hein, faire un concert live, ouais, et après, comme tu étais là, ouais, y a pas de souci, ouais, ouais. Tu as vu en plein air, histoire, ouais, de changer un peu de décor, oui, et puis voilà quoi. Ok, il n'y a pas de souci, donc c'est en exclusivité mondiale sur Rap City, le dernier clip de Prince Gauthier que notre invité, Chocolat Yuppie, en exclusivité, quelques mabanga, quelques dédicaces, parce que qu'on le veut ou pas, ça fait toujours plaisir. Oui, bien sûr. Bon, il y a Cyril, big up à toi, ouais, hein, ouais, hein, y a Gisèle Lofoka aussi, ouais, hein, le vieux Quentin Moyas, ouais, et tous les musiciens de Brazza, de Kin, franchement. Big up à vous. Il n'y a pas de souci, donc moi je dédie ce clip précisément au partenaire de cette émission, le Jeff Dancing Club, le salon à l'instant, DJ Na, DJ Jublé et DJ MG. Donc je rappelle pour ceux qui veulent écouter le morceau donc de Prince Gauthier, donc Chocolat Yuppie, passez au Jeff Dancing Club, 74 rue Bateka, Potopoto, la boîte numéro 1. C'est en exclusivité, c'est là pendant les vacances. Prince Gauthier, Chocolat Yuppie, c'est maintenant et à tout à l'heure. Ah ah, voilà. Moi c'est Prince Gauthier mascotte. Les filles, tapez. Les garçons, tapez-moi.